Bonjour à tous. Pas facile de faire un choix dans cette épreuve de clôture où ils sont nombreux à pouvoir prétendre au succès. Je vais timidement tenter le numéro 5, Jackson Ofor, qui vient d'effectuer sa rentrée ferrée sur cette piste. Ce pensionnaire de Christian Bigeon a montré des moyens depuis ses débuts avec des succès à Redon, Cherbourg, encore Laval. Ce fils de Paris Ofor m'a bien plu à l'occasion d'une deuxième place derrière l'Autostar à Enghien. C'était à la mi-juin. Plutôt bien garé en première ligne, je pense qu'il s'annonce redoutable. Je me méfie également du numéro 1, Jacao de Guèze, qui s'est déjà illustré sur ce parcours. Mais après réflexion, je vais toutefois lui préférer le numéro 6, Jean Perrine, qui vient de se classer bon deuxième à Laval. Ce pensionnaire de Jean-François Marie retrouve ce samedi le parcours de son dernier succès, alors qu'il s'est lancé en seconde ligne. Il est encore mieux garé ici et ne devrait pas décevoir. Maintenant, c'est à vous de jouer. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et on se donne rendez-vous dès demain pour de nouveaux Côté Côte, ce sera à Auteuil.